Allez, on est parti pour Teenage Mutant Ninja Turtle Fall of the Foot Clan. Voilà, après les bugs de la vie, voilà, Twitch voulait pas de moi. Voilà, je suis sûr que c'est une mine qui lui a glissé un mot. Alors espérons que ça tienne, on va recommencer la run du début, on était bien parti. Bon, on avait perdu Raphaël, je crois. Donc voilà. On va essayer de pas le perdre cette fois-ci. Mais bon, le problème c'est que voilà, j'ai fait des rétro achievements déjà. Voilà, de toute façon, c'est de la faute à une mine. Il est pas là, donc c'est de sa faute. Voilà, il faut que je me remette dans le jeu maintenant. Oh, pas dans le dos. Mais genre. Oh, ça l'a pas touché, c'est dégueulasse. Merde, ça a raté. Voilà. Bah Sigma, je vais les mettre demain parce qu'en fait j'ai déjà bien avancé, hein. J'ai attaqué déjà les spéciaux. Parce que j'ai fait la suite samedi. Parce qu'on a eu un souci avec Skype qui nous a lâchés pendant la COP. Voilà, de toute façon Skype c'est de la merde. Donc là je sais plus jusqu'où j'ai mis. Je suis en train d'accélérer justement sur la phase. Sur la phase finale. Je crois que là il me reste la porte de derrière à mettre, donc que t'avais dû voir, me semble-t-il. Et toutes les autres vidéos, c'est celles que tu n'as pas vues. Donc il doit y en avoir trois. Dont les deux derniers châteaux. Si je dis pas d'ânerie, qu'est-ce qu'il y a? La Star Road. Et le début des spéciaux. Et je fais la suite après, sinon le problème c'est que je fais la suite juste après. Bah je devais le faire ce soir, mais le problème c'est que bah samedi je me suis retrouvé en galère hein, justement. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai voulu choisir un autre jeu. Ça aurait pu être Tortue Ninja. Voilà, ça aurait été un heureux hasard. La petite saloperie. Non, je peux le carotter. Si je fais ça, je peux choisir. Ah non, j'ai perdu. Je me suis fait carotter, je crois. Il aurait fallu que je fasse une ligne cache. Quoique non. Si je fais ça. Saloperie, et j'avais pas. Mais non, j'avais pas prévu ça, voilà. Bah je me suis fait carotter. Voilà, parce que c'est pour moi le dernier. Non, tout à l'heure je l'ai gagné en plus. Sérieux? Ah, je me suis fait carotter, je l'avais passé tout à l'heure en plus. Et ouais, c'est de la faute à Skype. En plus, ça a été très dur de passer de Left 4 Dead à Super Mario World. J'ai eu un petit temps de chauffe d'au moins une demi-heure, je crois. Mais je mettrai les vidéos, je pense, peut-être demain, normalement. Si tout va bien. Donc je vais mettre ça à jour. Et la suite, bah oui, comme c'était prévu pour ce soir, la suite je fais ce soir normalement, donc juste après. Je vais aller faire le truc debout. Maintenant que je sais où c'est. Merde, j'ai failli pas sauter, j'ai voulu lire le chat. J'aurais pu prendre les deux du bas, il lui restait plus que celui du haut dans sa face. Merde, je vais me faire toucher. Alors là, le problème, c'est qu'avec le décalage, je ne vois pas. Ah oui, d'accord, oui, sur le jeu. Ouais, mais je peux pas prendre les deux du bas en même temps, il me semble. Si? Il faut pas qu'ils soient collés? C'est pas ça la règle? Parce qu'en fait, je me base sur cette règle-là, moi. Pour les prendre, il faut qu'ils soient collés. Alors c'est vrai que j'ai pas essayé quand ils étaient décollés si j'avais pris les deux du bas. Peut-être qu'il faut qu'ils soient juste sur la même ligne. Alors là, dans ces cas-là, oui, je te rejoins et j'aurais pu faire tout à fait ça. Mais dans ces cas-là, c'est que je ne connaissais pas la règle.
Ce sera ça mon erreur. Alors ouais, je suis du même avis à voir. Parce que franchement, j'en suis pas du tout sûr. Alors je me rappelle plus si c'est en bas ou... Est-ce qu'il est là le... Ouais, si, c'est là. Franchement, ça a essayé. J'essaierai. Si j'y pense. Parce que c'est vrai que c'est une bonne question. On se croirait à Duck Hunt. Oh, il a fait le perfect. Ah, on a 1000 points quand on a le perfect. D'accord. Cool. Oui, pool. Non, les gars. Merde, putain, ça c'est chiant par contre. Voilà. Merci, ah, c'est gentil, il me l'a rendu. Non, franchement, il y a beau jeu. Non, mais ça, c'est parce que j'ai fait Duck Hunt il n'y a pas longtemps. Merde. C'est pour ça, en fait. C'est grâce à Duck Hunt, parce que sur Duck Hunt, il y a cette phase un peu chiante à faire. Donc, j'ai eu de l'entraînement. Ces boutons me perturbent, j'ai l'impression de penser à l'envers. Moi je suis pour le sauter. Voilà. Le bouton sauter en bas. Pas taper, ça me perturbe trop. Bon, il n'y a plus l'air d'avoir de drop, hein. J'espère que je vais pas me porter la poisse. Mais je le dis. Et donc, oui, avant que ça déco, tu me disais que... Que le coup de pied sauté... Ah non, je refais la même. Mais j'ai un peu de mal, voilà, avec ce coup de pied sauté. Je le place pas encore au bon moment. Parce que genre, ce boss, il est gratuit, mais... à chaque fois, je le mets trop tôt. Dommage. Alors par contre j'ai fait un meilleur score me semble-t-il. Bah, c'est grâce aux 1000 points du bonus stage. Le problème c'est que j'en connais pas d'autres. L'ennemi doit pas être très loin. J'entends appris l'hurler. Et oui forcément donc j'ai déjà eu les premiers achievements. Hein. J'en ai déjà 5 sur... Voilà je me trompe encore de bouton. Sur je ne sais plus combien. Sur 19 je crois. Voilà, j'ai déjà perdu. Alors, il y aurait un truc, un logiciel qui pourrait le comptabiliser pour moi, mais je crois que ça ne marche pas sur OBS. Je crois qu'il marche que sur XSplit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bah, au début, quand tu fais GameStar, tu as le stage select, mais juste en dessous, la possibilité de choisir pour le bouton. Ah merde, on pouvait changer dessus. Parce que je savais que oui, on peut choisir les stages. Mais si j'avais su, ouais, j'aurais changé direct. Ça m'aurait évité de le faire dans l'émulateur comme ça. Je pensais que c'était juste pour nous expliquer les boutons. Voilà comment je voyais les choses. Voilà comme quoi un petit, une mauvaise incompréhension peut mener à des blocages. Après, je pense que ça m'embêtait moins sur la Game Boy, parce que comme les boutons étaient posés latéralement, c'est peut-être moins perturbant. Et encore, je ne suis pas sûr. Peut-être que j'aimais pas ça non plus s'il était mal placé. Allez, on va y aller tranquillement. De toute façon, on était qu'au début du stage 3. Merde, j'étais en train de lire. Ah oui, d'accord. Bon, à l'occasion, je testerai. Hein. Toute façon, la question c'est est-ce que je vais battre Shredder vu que je l'aime pas.
Allez les ninjas. Et encore, je me débrouille pas mal, je pense, ça va. Il y a juste sur cette phase après. Mais quand c'est des sauts comme ça, c'est pas encore trop chiant. Alors par contre, j'aimerais bien. Je sais pas combien il y a de stages spéciaux bonus, quoi. Parce que je sais qu'ils sont numérotés. Ah non, genre ça m'a touché. Là, j'ai failli tomber à côté. Elle est où la pizza déjà? Non, c'est après. Mais non, putain, s'il te plaît, quoi. Mais non! Ah, je tape trop tôt! Alors, est-ce qu'elle est infinie? Ah, voilà. Ok, elle a l'air infinie. Mais faut pas que je tombe comme tout à l'heure. Vaut mieux que je prenne un dégât que tomber à cet endroit de merde. Parce que ça, je déteste. Hein. C'est franchement le truc du troll. Alors là, on voit rien. Alors je crois que c'était là. Alors je crois que je suis passé. Voilà, comme quoi le coup de pied, une fois bien utilisé, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça, on peut pas le dire, on peut pas le nier. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs? C'est dommage s'il n'y a pas de rétro achievement pour le 2 sur Game Boy, surtout le 3 qui est un super Metroidvania avec l'état. Ouais, ça c'est vrai. Ah, peut-être que ça va venir. Hein. Parce qu'il faut savoir que les gens rajoutent en allant. Hein. J'ai même vu que. Comment ça s'appelle déjà? Le Castlevania, ils ont rajouté encore des achievements. C'est passé à 70. Ah, ce truc! Ah, mais je touche pas. Allez, tant pis, on prend le dégât. Voilà. Voilà, cette fois-ci, on n'a pas tué Raffaello. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va mettre des achievements dessus, même s'ils sont pas complets dès le départ. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 400 points, donc après, ça dépend comment il est réparti. Mais tu as certains jeux où il n'y a que 160 points ou 250 points en général, voire moins. Je sais pas c'est quoi le plus bas que j'ai vu à l'heure actuelle. Allez, on va prendre Michelangelo. Mais c'est vrai que ça peut venir dans le temps. Hein. C'est ce qui est bien justement. C'est que la liste peut se rallonger au fur et à mesure. Déjà, il y en a déjà pas mal. Hein. Sachant que c'est les joueurs eux-mêmes qui mettent les achievements. Et je trouve que c'est un très bon point parce que justement les achievements en général sont bien choisis. On ne fait pas des achievements de barbares ou des trucs comme ça des fois, ou juste pour dire on en a mis. Comme j'ai pu voir des fois sur certains jeux. Là-dedans, pour l'instant, j'en ai rarement vu qui étaient achetés. Ah mais non! Je me fais toucher par Tetris. Voilà, ça c'est pour Sigma. Je sais qu'ils les aiment, les barres Tetris. Ah! Voilà. Par contre, quand on les renvoie, c'est dommage, c'est que ça touche pas. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ouais, non, mais ça, oui, ça, c'est pour les mecs qui maîtrisent le jeu, quoi. C'est là, mais carrément inhumain. Pour certaines fois, oui. J'avoue que des fois, c'est inhumain. C'est digne du speedrun, quoi, presque. Et encore, même en speedrun, ils utilisent les sub-weapons. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré, moi. En sachant que même le perfect sur les boss ne compte pas si tu n'es pas full vie quand tu arrives au boss. Parce que j'avais réussi sur la chauve-souris et sur la méduse, il me semble, le troisième boss. Si je me trompe pas, je crois que c'est la tête de méduse. Et il me les a pas donné.
Et je pense que c'est parce que je m'étais fait toucher une fois dans le stage. Donc même ça, je veux dire, c'est juste... c'est un peu ouf, quoi. Merde! Le con, je regarde le chat. Ah, mais ce coup de pied sauté que je rate. Eh non, ça marche pas. Je sais qu'il y a une safe strat, lui. Mais celle-là, elle est pas du tout safe. Voilà. J'avais trouvé un, quand j'avais testé. Je crois que normalement, tu te mets dans le point opposé, t'attends, et après tu fonces pendant qu'il lance ses premiers tirs, et tu peux le toucher, je pense. Ça doit passer. Mais c'est pas grave, allez, c'est passé. On est quoi, au quatrième stage? Ah, c'est Shredder. Mon ami Shredder. On va envoyer Donatello le dernier. Sachant qu'il va peut-être pas y arriver. Alors, le stage en lui-même n'est pas chiant. Ah, on va avoir les 15 000. C'est vrai que j'avais déjà eu les 10 000. Hop, on peut faire le coup de pied sauté dans les deux sens. Ça, c'est bien. Alors, je pense qu'il vaut peut-être mieux aller dans l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qui rapporterait le plus. De toute façon, je sais qu'après, on n'aura pas le choix. Bah, je crois que c'est là, voilà. Ah bah, merci. Oh. On voit notre ami qui respire quand même. Tiens, j'avais pas fait attention sur ta run. Je m'étais posé la question, justement. Mais j'avais pas fait gaffe aux bulles. Alors, je sais pas si c'est le filtre HD, on les voit peut-être mieux, je ne sais pas. Ça peut être ça. Ou c'était limite. Alors, par contre, c'est chiant là, c'est que ça monte pas automatiquement. Faut sauter. Alors, des fois, pour certaines esquives, c'est pas évident. Alors là, ça fait direct disparaître notre robot poisson. Ça me fait penser à un truc, ça. Je sais plus comment ça s'appelle, par contre. Il y a quelque temps, on envoyait les poissons robots qu'on mettait dans les aquariums. J'ai plus le nom. Mais ces poissons me font penser à ça. Pizza. Ah ouais, t'es obligé de te mouiller. Un jeu où tu mouilles le maillot. Mais merde, il a pas mis de maillot. Ah, je me fais avoir par le deuxième. Je me fais pas carotter par la boule, mais par l'autre. Voilà, ça c'est les quoi? Les 15 000. Je sais pas s'il y aura moyen de faire les 22 000, hein. Ça va être tendu, je pense. Eh merde, ça touche pas en bas. Je voulais tenter de m'abaisser en plus justement pour lancer le Shuriken. Allez, on est dans le Technodrome, je crois, ici, hein. Je sais pas si c'est censé représenter ça. Ou c'est si c'est que le dernier stage. Allez, en tout cas, on est full vie. Mon pire ennemi va être bientôt face à moi. C'est pas le vrai méchant pour rien. Ouh, c'est passé de justesse. Alors ces robots-là, ils me font rire parce que c'était une plaie dans le Turtle Cat sur Super NES. Merde. Mais non, pas mon poisson rouge. Mais il y avait ça à un moment. Mais oui, c'était censé être un poisson rouge. Ah, donc c'est après le Technodrome. Ah, je passerai pas. Je le savais. Alors par contre, ici, je ne sais pas s'il y a de bonus stage, parce que je vois pas où il pourrait être. À part en hauteur... Mais non, c'est pas le mien de poisson rouge. Et puis c'était pas des poissons rouges, c'était genre, je sais pas moi, des requins ou des trucs comme ça. Ah, je commence à réussir. J'ai failli sauter au lieu de taper. Eh non, j'ai pas avancé assez. Ben donnez-moi de la pizza, s'il vous plaît. Faites pas vos dégueulasses avec moi. Je vais affronter Shredder quand même.
Ah, merci. Ah, je me le fais reprendre. Oh. Alors peut-être comme ça je peux le toucher. Ah, mais c'est ça qui est chiant avec lui. Eh ouais, tu te fais toucher avec, quoi. Parce que le truc, c'est qu'il se retourne quand même, lui. On peut passer. Bon, il y a un début de safe try, hein. Non, casse-toi. Me laisse-moi tranquille. Me laisse-moi tranquille, oui. C'est pas français, mais dans la panique, on dit ce qu'on veut. Oui, c'est passé. T'auras les 22 000, au fait. Je suis pas sûr, hein. Franchement, moi, je mets pas ma main au feu là-dessus. Ça me paraît limite, hein. Si je finis le jeu, je pense qu'il pourrait m'arriver comme toi. Après, à vérifier, on verra. Ah oui, voilà, c'est là, le technodrome. Ce truc qui fait super peur, quand même. Il y a un œil en haut. C'est l'œil du Mordor. Alors, qui on va prendre pour finir le dernier stage? On va prendre Leonardo. Alors, par contre, je me rappelais plus ce que tu expliquais à la fin, c'est que si on perd une tortue, on n'a pas la vraie fin du jeu. Merde, il faut sauter. Putain, pourquoi je fais haut pour sauter, moi? C'est quoi ce truc? Ah oui, les lasers. Stop l'agression. Mais non, saute! T'as les boules, il faut les prendre avant le sol. Ah! Mais comment ça, ma belle-mère dans l'aquarium? Non, j'avoue que c'est un peu compliqué là pour lire le chat en même temps quand tu te fais, y a tout le monde qui te saute dessus. Donc c'est vrai que oui, j'ai peut-être sauté la ligne sans faire exprès. En plus, en fait, le truc, c'est que vous avez la même couleur en plus. Alors forcément, je ne vois pas forcément la différence si je lis pas le pseudo. C'est passé de justesse, ça. Bonjour, vous êtes dans le Technodrome, stage de l'angoisse absolue. Et on n'est encore qu'au début, hein. C'est la deuxième phase, je crois, la plus chiante. Avec les trucs bizarres là, je sais même pas ce que c'est ce truc. Ça me rappelle vaguement quelque chose dans le dessin animé, mais quoi? Non, ça c'est pas bon. Ouais, mais toi tu les vois comme ça, moi je vous vois tous les deux orange. Ah, je fais de la merde, voilà, c'est pas bien. Ouais, ils auraient pu me donner une grosse pizza. Ouais, je savais qu'on m'attendait. Non, mais vous avez pas me touché à tous les coups, les mecs. Ça, c'est vraiment injuste, hein, quand je les touche. Alors, 2 secondes, je lis. Je suis. Ouais, j'ai vérifié un truc sur ma vidéo. Après avoir battu Shredder, j'avais 17 000. Toi, tu as 19 000 déjà. Peut-être alors. Ah, quoi qu'il y a les 1000 du boss, je crois, ça ferait déjà 21 000. Ouais, c'est jouable, il reste une phase. Après, sinon, pour les avoir, tu sacrifies une vie, quoi, en deuxième run. Après, je sais pas, est-ce que les robots donnent plus? J'ai pas fait gaffe. Ça peut être une idée. Merde, je me suis trompé de bouton. Ben oui, le mec essaye de les buter. Donnez-moi de la pizza. Je sens l'agression. Bah voilà, chacun voit une autre couleur, c'est pour ça. Ah, il t'a traité de rose quand même, hein, je veux pas dire, voilà. Je dis ça, je dis tout.
Non mais en plus, faut que je reste un minimum concentré. Et moi, je dis des conneries. Voilà, ça balance. De la pizza, s'il vous plaît. Ah, je vais me faire toucher. Ah, je me suis fait toucher. S'il vous plaît, tiens, on a perdu des sons en route. Ah, les saligots. Alors, on est proche des 21 000. Ah non, il donne pas plus, il donne 50, voilà, c'est vérifié. Hop, double esquive. Cette fin de level est un peu tendue. Ils y vont avec du lourd. Hein. Les mecs, ils envoient toutes leurs dernières forces. Alors, juste 2 secondes. À noter que le sprite de Shredder et même des boss sont super bien foutus dans ce jeu. Bah, carrément, oui. Non, te fais pas toucher. C'est pas le moment. Allez, une petite part de pizza, histoire de me mettre bien. Allez, je demande une part, je demande pas une pizza complète. Ah, j'aurais pu le taper. Ah oui, carrément, c'est gentil. Et on arrive au boss. Donc ouais, normalement, avec les 1000 points, ça devrait le faire. Ah non, il m'a touché à la fin. Voilà. GG Easy, c'était trop facile, merci, jeu suivant. Ah oui, avec les points de vie, je pense que je l'ai, normalement. J'en ai 7, je crois. Voilà, c'est bon. Dommage, parce que même Crank, tu vois, je t'avais dit, il y a moyen de le perfecter. Hein. Il est beaucoup plus simple que... que Shredder, hein, pour moi. Voilà, bah en fait, il me manque que les boss, hein, où j'ai fait un peu de la merde. Merci, merci mon cul, au revoir, ciao, c'était sympa, voilà. Le live il a bugué, là il a pu bugger, voilà, ça s'est passé. Comme une lettre à la poste. Non mais je voulais le faire parce que j'aime bien ce jeu, sincèrement. Et je l'avais oublié, je l'avais perdu, il était dans un coin de ma mémoire, mais très très lointaine. Et c'est quand je l'ai revu sur Retro Achievement, je me suis dit, mais je connais ce jeu. Quand j'ai vu l'image, j'ai fait, mais c'est clair. Bah oui que c'est normal quand je fais de la merde. Forcément. Non, je vais la faire maintenant en fait la merde. Sur Super Mario World. Oui voilà, c'est quoi la fausse fin alors? Parce que je m'en rappelle pas que justement c'est... C'est toi qui m'as rappelé ça, mais je m'en rappelle pas du tout. Voilà, donc ils sont retournés dormir tranquillement dans leur lit. J'ai oublié de traduire, voilà, je suis méchant. Mais donc oui, là, j'ai réussi à ne pas perdre de tortue. Ce qui est un exploit en soi. Parce qu'après, ne pas avoir joué au jeu depuis longtemps... Mais tout de suite, c'est YouPorn. Mais non, c'est les tortues ninja, quoi. Attends, 4 adolescents tortues qui vivent avec un rat, je vois pas ce que ça a de pornographique, quoi. Ah ouais, t'as carrément le game over sur la fausse fin. Avec le technogramme qui se barre avec la tortue qui s'est kidnappée. Allez, on se barre, merci d'être passé, mais on vous a gardé votre copain. Spécial remerciement à Suzanne, Patrick. On s'en fout de leur nom de famille. On ne sait pas qui c'est. Voilà, un jeu qui a bientôt 26 ans. Voilà, et un très bon jeu. Voilà, qui vaut bien autant. Bon, certes, il est court, mais... ça vaut bien le Turtle in Time ou d'autres qui sont sortis après. C'est un bon apéritif.
Voilà, donc il me manquera plus que les boss. Mais bon, les boss, sincèrement, c'est jouable. Même Krang, je me suis raté de peu. J'ai pris un vieux coup. C'est un peu dommage. Ça aurait pu passer. Eh ouais, c'est un must. Moi, pour moi, c'était un monument de la Game Boy avec le Batman, etc. quoi, c'était dans la même veine. Allez, je vais changer de jeu et je vais passer à Super Mario World. Je vous dis à tout de suite.